Plongé une fois de plus au cœur de la transition, ce jour nous nous retrouvons au Cap Exterias. Oui, sur le site qui devra abriter le complexe universitaire polyvalent du Cap Exterias. Et oui, pas plus tard que mardi dernier, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, faisait sa descente de chantier. Mais une chose est certaine, le président de la transition a mentionné, lorsqu'il était là, qu'il a connu ce chantier sous l'air de un de ses papas. Et sincèrement, l'entreprise adjudicatrice des travaux en ces lieux, pardon, faites vite et livrez le chantier. Parce que le jour que le papa là va se lever de mauvaise humeur, vous-même vous connaissez. Donc livrez le chantier tranquillement. Parce qu'avec le Josieu là, nous on avance. On ne veut pas retarder. Livrez-nous le chantier. Une belle œuvre comme ça, livrez-nous le chantier. Nous sommes présentement avec un jeune Gabonais qui est présentement sur les lieux. Alors nous allons prendre son avis sur l'avancement des travaux, comment se déroule son travail, ce qu'il fait réellement sur le chantier et pourquoi pas encourager des jeunes Gabonais à faire comme lui au lieu de rester à la maison. Oh, merci Madame la journaliste. Je me présente Chris. Voilà. Donc, je suis un jeune Gabonais diplômé, j'ai 28 ans. Voilà, le chantier avance convenablement, mais pas à une allure qu'on attendait. Parce que même la dernière visite du président, là où il a remarqué quelques inconvénients. Donc, j'ai eu à entendre qu'on va bientôt travailler jour et nuit parce qu'il faut que le chantier soit livré au plus tard mars. Je pense que janvier, mars, parce qu'ils avaient, ils avaient une période. De 10 mois, on a pratiquement épuisé 8. Donc c'est un peu ça. Et pour nos jeunes Gabonais qui ne veulent rien faire, il y a beaucoup de chantiers. Le Gabon a chanté depuis que le président de la transition, Oligui Nguema, a pris le pouvoir, tout le Gabon a chanté. Il y a énormément de travail partout, il y a des endroits où il faut déposer des dossiers. Et tout. Mais moi ici, je ne suis pas sûr. J'ai déposé aussi, quand j'ai déposé dessus ailleurs, si ça ne va pas ici, je pars ailleurs, tout simplement. Donc, il faut vous réveiller. C'est au Gabon émergent, donc, mettons-nous au travail, tout simplement. Alors, c'était Romina, au cœur de la transition. On se dit à bientôt pour un prochain numéro.